Les beaux jours sont bien derrière nous et pour préparer la période hivernale, rien de tel qu'une petite piqûre de rappel avec les choses à faire et à ne pas faire avec son cheval en période de froid. Couvre-rein et couverture sont désormais de rigueur, plus quelques autres petites choses que nous détaille Jérôme Guéry, monsieur conseil à EquiTV. L'échauffement d'un cheval l'hiver prend beaucoup plus de temps. Il est important de bien le marcher, bien trotter, afin que les membres et tous les muscles prennent la température avant de faire un travail sérieux sur le cheval. Il est très important de ne jamais longer ou lâcher un cheval lorsque les températures sont aux alentours de 0 degré et inférieures à 0 degré, car des blessures peuvent survenir, telles que fractures, déchirures musculaires. Donc bien important d'échauffer son cheval, qu'il arrive à une température que les muscles et les articulations puissent supporter le travail que vous allez demander. Avec le froid et l'hiver, les raideurs sont plus importantes. Donc, prendre bien le temps de marcher son cheval avant de commencer à trotter. Bien marcher son cheval 5-10 minutes avec une double couverture afin qu'il ne prenne pas froid. Une fois que le pas est exécuté, on va retirer la grosse couverture et on va continuer l'échauffement juste avec le couvre-rein. J'ai travaillé mon cheval aux trois allures. Je sens qu'il a attrapé la bonne température. Il est bien délié. Je vais retirer le couvre-rein afin de commencer ma séance de saut. Ça ne sert à rien de garder le couvre-rein tout au long du travail si le cheval a une bonne température. Il ne faut pas non plus que le cheval soit en surchauffe et ça va augmenter la transpiration. Comme d'habitude, on va commencer évidemment par des petits sauts et monter progressivement en fonction du niveau de son cheval. Voilà, la séance de travail est terminée. On va couvrir le cheval, le remarcher et puis on va le remettre à l'écurie. Le travail du cavalier n'est pas fini pour autant. Voilà, on est de retour à l'écurie. Après avoir bien marché le cheval après la séance de travail, bien couvert, on rentre, on décèle tout en gardant bien les couvertures parce que le cheval a eu chaud. Il faut que la température redescende sans que le cheval attrape froid. Donc c'est important de garder son cheval recouvert. Maintenant, si vous êtes équipé d'un solarium, c'est idéal de pouvoir placer son cheval sous un solarium afin que le cheval retrouve sa température et sèche si jamais il a transpiré. Si vous n'êtes pas équipé d'un solarium, il est important de placer une couverture séchante sur votre cheval qui va absorber l'humidité et l'humidité ne va pas rester sur votre cheval et votre cheval ne prendra pas froid. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre et que votre cheval n'est pas tondu, vous risquez d'avoir un cheval qui a beaucoup transpiré. Alors, il y a les anciennes techniques, les vieilles techniques d'homme dans le temps. Un bon bouchonnage avec de la paille sur un poil long, ça va déjà faire sécher le cheval et va permettre que le cheval ne prenne pas froid. Une fois que votre cheval est bien sec, vous le ramenez aux écuries et vous placez les couvertures d'écurie. Ça ne sert à rien de le couvrir de trop, il faut juste adapter les couvertures en fonction de la température extérieure. Voilà, je lui ai mis deux belles couvertures. Il va avoir assez chaud pour la journée. Ce soir, on replacera la grosse pour la nuit. On n'y est pas encore, mais chaque hiver, on a de la neige. C'est toujours agréable de voir ces étendues blanches et on se dit, OK, on va aller faire un galop avec son cheval dans la neige. Maintenant, il y a des précautions à prendre. Il y a un risque des glaçons qui peuvent se former sur les sabots. Donc, si l'envie vous prend, faites appel à votre maréchal ferrant qui pourra placer une plaque ou une ferrure adaptée pour aller sur la neige. En résumé, pour bien passer l'hiver, trois points importants. 1. Ne jamais longer ou lâcher son cheval quand il n'est pas chaud. 2. Un bon échauffement. Et 3. Un bon séchage. EquiTV avec l'EquiMag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.